Yo les potes, CG Gaming, j'espère que vous allez bien. En tout cas, les gars, ça va nickel. Aujourd'hui, du coup, dans cette vidéo, on va parler de la mise à jour, du coup, qui a eu ce matin, du coup, sur euh, Fortnite Cauchemar. Donc, je ne pouvais pas la faire avant. Je vous ai sorti comme vidéo, du coup, euh, des récompenses gratuitement à avoir. Je vous ai sorti la bande annonce sur la chaîne. Mais je vous la remets, du coup, dans cette vidéo, parce que, du coup, on va parler de la mise à jour de cet événement. Du coup, je vous la remets quand même pour tous ceux qui vont pas voir les anciennes et les autres vidéos et qui vont regarder plus cette vidéo. Mise à jour 22.20. Faites la, fête, euh, faites la fête à l'occasion de Fortnite Cauchemar 2022. Donc, avant que la vidéo commence, n'hésite pas vraiment à t'abonner et bien sûr activer la cloche de notification pour rater aucune des vidéos. N'oublie pas de partager, liker et surtout commenter en me disant qu'est-ce que tu en penses de cet événement, des nouveautés et tout qu'il y a eu. Et n'oublie pas le petit code créateur g Gaming dans la boutique. Avec un soutien, je vous ferai gagner des petits cadeaux. Donc, dans la mise à jour 22.20 de Fortnite, DJDK vous attend à l'arbre de réalité pour vous aider à transformer en une bête au trait lupin. Ce genre monstre n'est pas la seule nouveauté de Fortnite Cauchemar 2022, accompli des des quêtes et obtenir des récompenses spéciales, défiez les, mo les monstres du cube dans l'assaut de l'ordre zéro, construction, faites la fête avec des objets réintroduits de plus encore. Fortnite cauchemar 2022 dure jusqu'au 1er novembre à 7h. Donc, des griffes à faire crier au loup. Après avoir dansé au rythme effréné du DJ Mix DJ Dika, montez sur l'un des différents hôtels d'altération près de l'arbre de la réalité où, où vous aurez la possibilité d'effectuer les modes rituels. Si vous êtes loin de l'arbre réalité, pas d'inquiétude, il y a d'autres hôtels ailleurs. Une fois le rituel accompli, vous obtiendrez les griffes de hurleur utilisées pour obtenir des compétences de loup. Piste Lupine. Une fois les griffes de hurler équipées, hurlez afin d'activer la compétence Piste Lupine pour une durée limitée. Avant d'entrer en délai de récupération, cette compétence active une vue qui marque régulièrement les ennemis dans un rayon proche. Et il n'y en a pas. Piste lupine entre directement dans un délai de récupération. Si vous êtes la cible de cette compétence, votre sixième sens vous avertit avec un battement de cœur qui s'intensifie au fur et à mesure que la bête approche. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez ça. S'il y en a du coup qui ont déjà testé au moins sur de vidéos, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est trop cheaté, est-ce que c'est trop fort, est-ce que c'est pas assez fort. Taillade. En vous équipant des griffes de hurleur, vous obtenez des griffes, mais elles ne sont pas seulement faites pour se gratter derrière les oreilles. Grâce à la compétence taillade, vous pouvez enchaîner 4 attaques de mêlée forcée. Féroce. Taillade aérienne. Vos griffes vous permettent aussi d'effectuer une taillade aérienne. Grâce à la compétence taillade aérienne, vous pouvez effectuer une double saut qui inflige des dégâts aux adversaires lorsque vous les touchez au sol. Pas de construction, beaucoup de monstres. Assault de la Horde fait son retour, mais cette fois, les monstres ont un avantage. Ils essaient d'un assaut de la Horde Zéro Construction. Saurez-vous les éminer des Hordes de monstres, obtenir des multiplicateurs de score, enchaîner des éminations, survivre à des différentes zones et affronter le boss final avec vos équipiers, sans compter sur la sécurité des constructions Vous le, ne saurez, vous le saurez en jouant à un assaut de horde Zéro Construction disponible dans le menu Découvrir, bien après la fin de Fornette Cauchemar. Plus précisément, jusqu'au 15 novembre, au moment de l'indisponibilité des serveurs liés à la mise à jour 22.40. En effet, Assaut de la Horde Construction... Durera au-delà du 1er novembre pendant un temps limité après la fin de Fortnite Conference, restez à la fuite des quêtes assaut de l'ordre vous pourrez accomplir dans la récompense spéciale spéciales. Donc en gros, euh, on aura un, genre, un événement euh, assaut de l'ordre sans construction à faire avec vos potes, du coup à partir du 1er à peu près 15, au 15 novembre. Prenez le dessus sur vos cauchemars, vous savez maintenant tous les quêtes d'assaut de l'ordre, mais il existe aussi des quêtes Fortnite Cauchemars disponibles dès maintenant. Ces quêtes vous amèneront entre... À effectuer le rituel aux osées de l'altération, visiter des endroits cauchemardais comme Grim Gamble ou utiliser des objets introuvables tels que le bonbon, le lance-citrouille. Accomplissez les quêtes de Fournée de cauchemar pour gagner d'XP et d'autres surprises. Des quêtes Fournée de cauchemar seront disponibles quotidiennement pendant 14 jours. Si vous accomplissez 5, vous débloquerez le panneur, Fin de Tout. Si vous accomplissez 13, vous débloquerez l'accessoire de dos Cache chromé. Et si vous accomplissez 25, vous débloquerez la pioche Atier Créatrice. Les quêtes seront disponibles jusqu'à la fin de Fortnite de cauchemar le 1er novembre à 7h. Voilà les 4 items. L'île au-delà du paradis, vous les fous faire la. Bon, ça du coup, c'est pour ceux qui font du créatif. Trembler devant ces concepts devenus réalité. Tenez à l'œil, sinistre, tournant, explorer Ils ont été ajoutés à la boutique d'objets. Ces tenues ont été inspirées par des concepts créés par les vainqueurs. Nanana. Du coup, voilà. Donc, ça, c'est deux skins qui ont été créés par la communauté. Donc, en vrai, pas mal. Des nouveautés dans la mise à jour diagonale personnalisée pour les mouvements au clavier. Remarque sur les modes les l'expression des changements de la carte et nouveaux fornés de cauchemars ne sont pas inclus dans le mode compétitif. Donc après ça, voilà, c'est... Euh un nouvel ennemi semble faire couler beaucoup d'encre depuis son camp établi dans un nouvel étage de maison Grim Campbell. Si vous parvenez à le vaincre, vous pourrez obtenir son arme mythique. Vous avez probablement besoin d'un coup de main. Par ailleurs, certains animaux sauvages ont disparu lors de fournées de cauchemars. Peut-être qu'une espèce zombifiée est derrière tout ça, ou peut-être qu'ils ont fui en canon motorisé, ce qui pique la disparition de ces derniers. Donc en gros, les canaux motorisés, ils sont plus. Donc voilà un peu toutes les nouveautés. Vous avez pas mal de quêtes à faire, donc n'hésitez pas à les faire. Vous allez gagner pas mal d'XP, pas mal de. Pas mal de récompenses, donc n'hésitez pas à le faire. C'est petit Fortnite Cauchemar 2022. Après, comme le prochain event, ça sera du coup celui de Noël, comme chaque année, sûrement avec un sapin, des cadeaux XO à l'intérieur, etc. Donc n'hésitez pas, les gars, à le faire. Euh, ça fait plaisir. Fortnite nous régale, donc ça fait plaisir. De, au moins, on a de la nouveauté dans le jeu. On a des nouvelles armes, on a des nouveaux mouvements, on a des nouveaux trucs, des nouvelles choses à découvrir pendant cette saison pour pas que la saison soit morte. Donc en vrai, c'est assez stylé. Du coup moi les je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, activer la cloche de notification, partager, liker et vous abonner. Et le code créateur JGaming va ben, soutien des cadeaux pour tout le monde. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.